Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le mini test gameplay découverte de Kena sur PlayStation 5. Pourquoi je dis mini? Car nous sommes partis pour un tout petit quart d'heure de gameplay découverte. Pourquoi cela? Eh bien parce que ce jeu a une durée de vie plutôt courte. Si vous rushez le jeu, attendez-vous à avoir moins de 10 heures de jeu dans les pattes. C'est un léger point négatif, certes, mais ce jeu est cruellement beau et des points positifs, il en a beaucoup plus que des points négatifs. De par sa note, 17 sur 20 sur Metacritic, une note qui juge clairement de l'aspect qualité que nous offre Kena. Édité et développé par Ember Lab, sorti officiel le 21 septembre, en dématérialisé, une version CD arrivera pour novembre. Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Qu'est-ce que Kena? Kena, c'est le nom de la protagoniste, c'est celle que l'on incarne. Une aventurière qui ressent la souffrance de la forêt et qui fera office d'une sorte de gardienne spirituelle. Pour y parvenir, nous aurons l'aide de plusieurs camarades. Les habitants de la forêt ainsi que les esprits, les rottes. Ces petites boules noirâtres que vous avez sûrement vues dans plusieurs trailers. Nous allons d'ailleurs les rencontrer dans très peu de temps. Je me suis énormément spoilé sur le jeu, mais je le découvre en même temps que vous. Je sais qu'il devrait pas tarder. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Premier boss phase déjà. Très bien, donc R1 est une attaque normale qui s'enchaîne assez rapidement quand même. Ok, ouais, ça demande une concentration pour faire une attaque un petit peu plus forte. Avec R2. Trois modes de difficulté vous seront proposés. Vous avez le normal pour pouvoir avoir une légère difficulté tout en profitant du jeu. Le mode facile qui s'adresse clairement aux néophytes qui veulent juste un point scénar sur le jeu et qui ne voudraient pas être ralentis par la difficulté du jeu. Ou le mode difficile pour les joueurs les plus aguerris qui pensent que la difficulté fait partie intégrante des points qualité d'un bon jeu pour son évaluation. Franchement, il est magnifique, le jeu de couleurs est vraiment sympa, la musique de fond est top, l'immersion est vraiment parfaite. Ouais, je vais devoir refaire pareil en me mettant au centre pour activer cette porte. Récemment, Sony nous a partagé sur son compte YouTube, enfin le compte YouTube PlayStation, le mode photo du jeu. Je vous le montrerai à la fin pour le ending de la vidéo. Les petits personnages, les PNJ, prennent la pose quand vous voulez prendre des photos. Ça ajoute une animation et un dynamisme vraiment sans pareil. C'est vraiment mignon. Oh là 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 là, la réfraction de la lumière sur le sol. Oh là là là. Ouais, le jeu de lumière, c'est vraiment fou. Après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais durant la courte cinématique, j'ai eu l'impression que les cinématiques étaient en 30 fps. On voyait clairement, pas vraiment que ça laguait, mais ça cassait clairement le rythme. Ah, les êtres de la forêt, ils sont là. Ouais, donc voilà, je trouvais que ça cassait un petit peu le rythme. Tain, vous voyez, c'est légèrement au ralenti. Where did he go? Thank you.
le gamma du jeu est quand même incroyable. Vraiment beau. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, ça casse un petit peu le côté dynamique du jeu. Il paraît si fluide, alors que dans les cinématiques, là où est-ce qu'on s'attend à ce qui est vraiment une véritable prouesse en termes de fluidité, bah ça gâche un peu le truc, je trouve. Et voici les rottes. On les a enfin. Ils sont trop mignons. Donc il va falloir apparemment en trouver plusieurs. J'ai l'impression que ce jeu reprend... Pour les plus vieux d'entre vous, si vous avez fait le jeu Overlord, vous vous rappelez, vous jouez un seigneur des enfers avec plusieurs sbires qui vous obéissent au doigt et à l'œil. Et je trouve qu'il y a un petit peu cette recherche avec ces sortes d'esclaves que vous pouvez du coup contrôler à votre guise pour qu'ils fassent des actions à votre place. Après, je ne dis pas que les rottes sont des esclaves, c'est pas du tout le même storytelling, mais on retrouve cet aspect, quoi. Gros celui-là, il est énorme. Il faut que j'en trouve 5. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est vraiment beau comme jeu. Allez, le troisième. Le principe, bien sûr, dans le jeu est d'en récolter énormément pour pouvoir passer d'un endroit à un autre. Vous avez un aspect puzzle game dans le jeu qui s'offrira à vous. Pour passer donc du coup d'un point A à un point B, il faudra faire effectuer plusieurs tâches à vos routes pour pouvoir progresser. Il y a aussi ce petit côté Lemmings un petit peu, si on doit parler d'anciens jeux, quitte à citer Overlord, pourquoi ne pas citer Lemmings. Plus vous avez de petits sbires, plus vous pouvez progresser et faire des choses moultes et variées. Ah, je suis mouillé, hein. Il y a l'effet. Il y a l'effet quand on est mouillé, franchement. Très bien travaillé. Mais c'est tous les mêmes en fait, ils ont tous le même gabarit. Il y a que le petit que j'ai caressé qui est plus petit que les autres. Hein. Oh wesh, le petit que j'ai caressé, quoi. Va pas sortir dans son contexte. Où sont les autres, hein? Le rondin, on va donc y passer. Ah, les êtres sont là-bas. Au fond, à droite, ça a l'air de puer quand même, hein. On sent qu'il y a le mal-être qui réside dans les arbres, au fond. Parfait! Ah, on peut interagir! En plus du mode photo, du coup, il y a les interactions avec les routes. Ça, je le savais pas. Du coup, il le fait pas? Ah si, d'accord. Ah mais c'est que le petit, d'accord. C'est que le petit qui le fait. Ouais, ça a l'air vraiment de puer par ici. Hein. Ok, il me faut les 5. Il me les faut tous. Donc voilà, en fait, ça confirme clairement ce que je disais. Hein. Si vous n'avez pas un assez grand nombre de servants, eh bien vous ne pourrez pas progresser dans le jeu. Il n'y a rien par là. Il y a des coffres. Hein.
Des coffres qui renferment des routes, quoi. Super. Et de 5, on peut y aller. Et j'ai pris un level incroyable. Donc le leveling... Ah d'accord. Se caractérise en fait par le nombre de routes qu'on a avec nous. C'est pas mal, c'est bien pensé. Puis franchement, ça fait du bien d'avoir un jeu aussi poétique, si beau... si évasif, quoi. Avec tous ces jeux de tir qu'on a en ce moment... Plus trop faire la guerre, ça fait du bien. Et je les ai pas perdus, j'ai toujours les 5. D'accord, il n'y a pas en fait ce côté lemmings en fait, il y a... Ouais, non. Ouais, même Overlord en fait c'est pareil, parce qu'il y avait aussi ce principe de sacrifier certains de ses servants, et là je les ai pas perdus. Est-ce que je les perdrai prochainement? Est-ce que je vais devoir en sacrifier certains pour pouvoir passer d'un endroit à un autre? Bon, allez. Il y a le liseré blanc, on sait toujours que le liseré c'est fait pour escalader. Ah ok, il faut vraiment deux sauts, je pensais qu'avec un seul je pouvais y arriver. Ça va, c'est assez fluide au niveau du climb, on s'en sort bien. Faut regarder partout de toute façon. Ça c'est un jeu où est-ce qu'il va falloir fouiller pour pouvoir avoir le plus de servants quoi. Un peu de fight. D'accord. Quand le fight se fait, ils fuient tous. Ok. Jusqu'à que quand je frappe, j'ai cette petite boule jaune en bas à gauche, au-dessus de ma vie, qui me permet de les appeler. Ah oui, voilà, ok, ils l'occupent, quoi. Franchement, c'est pas mal. Ah oui, ok. Je peux pas les jeter tant que j'ai pas la boule qui est devenue jaunâtre. Ok, ok. Alors pour ça, pour qu'elle augmente, en fonction de votre niveau de difficulté, il faut que ou vous preniez des coups, ou alors... je crois qu'il disait qu'elle montait de façon passive. Et voilà, le mal est éradiqué. Il est où le problème ? Au moins, le jeu reste assez intuitif. C'est la phase de puzzle game. Ok. Donc ils se sont mis dessous. C'est trop bien. Du coup... non, on peut pas. D'accord. Va falloir trouver un autre endroit où les placer. Il y a le liseré blanc en haut. Faut aller là. L'animation, elle est énorme. C'est trop bien. Si, on allait oublier quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je peux de suite les appeler. Non, ça fait rien. Ah, il les mange! D'accord, ok. Bon. On peut passer par là? Non, c'était pas enché, je pensais qu'on pouvait passer. Est-ce que le caillou qu'ils ont déplacé est là-bas? Parfait. J'avais peur qu'ils arrêtent de l'amener d'un endroit à l'autre, parce que quand je les ai appelés de suite pour manger, ils se sont de suite téléportés. Donc je me suis dit, est-ce que ça interrompt l'action de transférer l'objet? Est-ce que je suis allé par là? Non! En plus... Oh là là. Franchement, non, il faut vraiment tout checker, c'est incroyable. Hein. À chaque fois que je pense avoir tout fait, non, au final, il reste quelque chose. J'ai gagné un petit peu de monnaie là, on le voit en haut à droite. Ouais, en même temps c'est normal. En fait, gardien de la forêt, ouais, on essaie de maintenir l'équilibre dans la faune et la flore de la forêt, mais il faut croire aussi que l'architecture et les biens humains laissés par les anciens habitants doivent faire partie intégrante de la protection de la forêt. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind.
You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Ah! Attendez, je retire ce que j'ai dit. Est-ce que... Non, en fait, je crois que les cinématiques, c'est fait exprès, en fait. Clairement. Ça a l'air d'être très lent, on dirait du 30 fps, mais est-ce que c'est pas fait volontairement? En fait, je pense même pas que c'est en 30 fps, je crois que c'est juste le modeling qui est fait comme ça, en fait. Non, ça m'avait l'air... Je crois que c'est normal, en fait. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Allez, viens par là, mon gros. Ok, donc on peut s'en servir de bouclier. Mais ça nous sucre le rond jaune au-dessus de ma vie. Bon, ça va, il m'attaque même pas. Il a pas l'air bien compliqué. J'ai vu sur Reddit que les premiers combats étaient assez simples. Hein. C'était plus de l'initiation qu'autre chose. Mais les prochains combats... Bon, c'est pas non plus aussi difficile qu'un Dark Souls. Hein, mais vous allez vous faire toucher quand même. Et ils aident vachement, c'est fou! Bon allez, je le termine. Voilà. Donc, de toute façon, j'avais décidé de m'arrêter au premier boss phase. Allez, on va ramener le calme dans cet endroit. Je vais donc vous laisser avec les prochaines cinématiques, en espérant que ce bref test gameplay découverte de Kena vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, et à ciao. Safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kena. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Thank you.